et il peut dégager du pied gauche, ce qui n'est pas son bon pied. Oui. Angloma pour De Saï. Oui, bon Loco ballon. Dans le bon terrain. Centre. Oui. But. Et sur ce centre, la balle qui lui échappe à Gitov. Eh bien là, c'est plus la faute du terrain, Thierry. C'est grâce au terrain. Oui. Certes, la reprise était cadrée, mais le pauvre Gitov qui s'attendait à un rebond a vu le ballon complètement s'écraser dans la boue. Et elle est passée juste à côté de son bras droit, reprise du plein du pied. Et c'est le 30e but de Jean-Pierre Papin en équipe nationale. Et l'équipe de France qui, enfin, marque un but dans ce groupe éliminatoire et qui nous sort une bonne épine du pied. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Thierry? Oui, je voulais vous dire que les 25 tons jaunes, il a vraiment, vraiment beaucoup attendu, monsieur Rune Pedersen, pour sortir son carton. Et Gadarov, donc, est le premier averti de ce match. À la 55e minute de la partie. Le Gouen. Oui. Ah oui. But de... Oh non, pas trop. Oui, c'est but de Loco. Tête de Cantona. Premier but de Loco en équipe de France après la tête de Cantona relâchée par le gardien Gassanov. Loco marque à la 55e minute. Il nous a fait peur, Patrice Loco, sur un coup franc de Paul Le Gouen. Tête à bout portant de d'Eric Cantona, repoussé par Gazanov. Regardez, il s'y reprend à deux fois. Il avait rebondi sur son pied gauche. Et finalement, c'est du pied droit en déséquilibre qu'il pousse ce ballon malgré le retour de Varabzadeh. 2-0. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Je vous sens beaucoup plus détendu.